on assiste à des assassinats, à des morts tragiques, et puis quelques jours après, on entend dire en ville, oui, mais finalement, est-ce qu'il n'avait pas vendu un terrain, est-ce qu'il ne faisait pas de l'immobilier, etc. Je pense qu'il faut qu'on retrouve le respect de la mort, le respect des morts, et que l'on s'incline devant la douleur de toutes ces familles endeuillées. Que celui ou celle d'entre nous n'a pas dans son entourage associatif, familial, politique, amical, un homme qui serait mis en marge des règlements, de la loi, de la vertu, de l'éthique et de la morale, que celui-là lève le doigt et que celui-là jette la pierre. Cette proximité aujourd'hui, c'est une faiblesse. C'est ce que nous pensons. Transformons-la, cette faiblesse, en force. Transformons-la en force. Pour que la jeunesse, pour elle, pour son avenir, et nous disons haut et fort, à partir de ce jour, et je terminerai là-dessus, la peur doit changer de camp. Est-ce que l'administration française en Corse, est-ce que l'institution judiciaire, est-ce que l'ensemble de cette galaxie étatique s'est montré efficace dans sa lutte face à ces types de phénomènes ? Pour nous, la réponse est non. Durant 40 ans, a Zozola Brimur è stata d'arrestare i nazionalisti corsi e ha lasciato il banditismo organizzarsi in tutta libertà. Plus nous aurons d'autonomie, plus nous devrons demander à l'État de renforcer ses missions régaliennes. Et nous ne devons pas le dire en aparté, nous devons le dire publiquement, nous devons le dire haut et fort. À mon sens, il y a un grand banditisme en Corse, mais il n'y a pas de mafia. En Corse, nous n'avons pas cette organisation pyramidale qui s'apparente à une organisation gouvernementale. Si la mafia, c'est la convergence entre la criminalité organisée, le pouvoir économique, le pouvoir politique et le fonctionnement des institutions, une convergence qui peut être plus ou moins marquée, plus ou moins aléatoire, mais une convergence qui existe ou qui risque d'exister, nous sommes au risque avéré et quelquefois réalisé de la dérive mafieuse ou pré-mafieuse.